Aucun enfant ne doit plus jamais naître avec le VIH. Je m'appelle Mani Virginie Dialasse, je suis de la nationalité tchadienne. Et je vis à Mundu au sud du Tchad. J'ai 16 ans et je suis en classe de 4e au collège de l'Amitié. Comme beaucoup de millions d'enfants à travers le monde, j'ai été infectée par le virus du VIH à ma naissance. Bon, avant, quand j'étais à Yaoundé, je prenais les médicaments. Bon, je prenais les médicaments sans cesse. Je demandais à mon papa pourquoi je prenais les médicaments. C'est quand je suis arrivée là-bas, ici au Tchad, bon, que j'étais au centre Génanom Nasson, qu'on m'a dit que j'étais infectée. Bon, c'était un peu difficile. Parfois, c'était un peu difficile, non? Ça s'arrête là. J'ai décidé d'être porte-parole parce que je ne veux plus qu'un enfant naisse avec le VIH comme moi. Et aussi éviter les nouvelles infections au sein des jeunes. Et je m'engage aussi pour qu'il n'y ait plus zéro infection au sein des jeunes. Oui, j'aimerais bien continuer ce genre d'activité parce que aujourd'hui, quand j'ai fait mon discours devant les autorités, les premières dames, je me sentais écoutée. J'ai aussi envie d'être journaliste pour pouvoir sensibiliser les jeunes comme moi et aussi leur montrer le bon chemin à prendre. Et le journalisme aussi, d'une part, ça me plaît parce qu'il voyage beaucoup et puis il découvre un peu certains pays, donc c'est ça qui me plaît seulement.